Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes partis pour aller invoquer sur le tout nouveau portail arrivé aujourd'hui sur version globale. Et il s'agit du Dokkanfest de Piccolo. Et en plus de ça, à ma très grande surprise, lorsque j'ai checké le détecteur, il y a eu du changement par rapport au portail de la version japonaise. Et c'est que du positif pour moi, je sais pas pour vous. Mais en tout cas, le changement a été quand même assez étonnant parce que je m'attendais pas à ce que le détecteur change. Et finalement, ça a été le cas. Alors, on va rapidement le checker dans son ensemble. Évidemment, l'unité qu'on cherche le plus à obtenir aujourd'hui, c'est lui, forcément, le Piccolo. Si on arrive à le faire tomber aujourd'hui dans cette session d'invocation, ça serait juste beaucoup trop bien pour que je puisse vous en faire un showcase. À côté de lui, on a une nouvelle carte aussi qui s'ajoute à la version globale, le Nail Agilité, un des meilleurs personnages que vous pouvez ramener, si ce n'est le meilleur perso que vous pouvez jouer si vous avez la chance d'invoquer et de dropper ces deux-là et que vous le jouez dans la même catégorie. À mon avis, ça va être du grand n'importe quoi, donc à défaut de ne pas avoir lui, si je pouvais au moins avoir un des deux, franchement, ça m'irait. Ensuite, troisième bonne nouvelle, le retour du Goku Namek, leader de la catégorie Super Saiyan. Ça, je pense que ça va en ravir plus d'un clairement parce que c'est un leader de catégorie avec un flow immense. Goku Namek, je pense que beaucoup de gens ne seront pas déçus de le voir sur ce portail, sachant qu'à la place, normalement, on était censé avoir le Vegeta multiforme, si je dis pas de bêtises, donc je pense que c'est un mal pour un bien. Ensuite, on a également le Goku SSJ 4 Full Power. Alors lui, ça fait... je sais pas combien de temps qu'il est pas revenu sur un portail et je pense que c'est pas plus mal non plus parce que justement moi je l'ai pas encore à 100% et peut-être qu'il y en a qui l'ont même pas du tout, et pour pouvoir jouer la team puissance maximale c'est pas dégueulasse non plus, même si Broly DBS est plus intéressant et puis au moins ça diversifie un petit peu les personnages qu'on drop sur les différentes bannières. Ensuite on a le retour du Metal Cooler Agilité. Alors lui il était déjà sur le détecteur de la version japonaise, il est leader de la catégorie Lignée Diabolique, une bonne team de catégorie, c'est un très bon personnage, le problème c'est que je l'ai à 90%, donc dites-vous que je le drop une fois, c'est bien, mais si je commence à le dropper plus d'une fois dans cette vidéo, ça va être la merde, parce que du coup, ça sera des exemplaires qui me serviront absolument rien dans la box. Le retour aussi de Thales Agilité. Alors lui, il était déjà sur le portail également de Piccolo sur la version Jap, mais bon, je l'ai pas encore à 100%, il me manque encore 3 doublons pour l'avoir, donc si j'arrive à le faire tomber, franchement, je dis pas non. Et pour terminer le roster, on a le Vegeta SSJ 3 ZTUR, donc lui ça fait 1 milliard d'années déjà que je l'ai à 100%, mais pour ceux qui vont commencer le jeu à cette période, dites-vous que c'est un des meilleurs ZTUR du jeu en termes de tankiness. Il est vraiment excellent, donc si vous arrivez à l'avoir et que vous n'avez pas encore tous ses doublons, vous pouvez être content de le dropper, ce personnage-là, il est très très correct. Et ensuite on a une pelletée évidemment de SR qui vont permettre de monter l'aspect du Piccolo et du Nail si on arrive à les faire tomber dans cette vidéo. Donc je pense que l'introduction a déjà duré bien assez longtemps, on va commencer les multi-invocations, mais d'abord on commence avec une single comme d'habitude. J'ai déjà plus de place dans la box parce que hier j'étais en train de monter l'aspect du trio Cyborg LR et vous savez, pour ceux qui étaient en stream, ça a duré mais tellement de... Attendez, j'ai lancé une single Shaozu Tenchinan Yamcha, c'est une combinaison SSR garantie. Alors attendez, parce que là vraiment non, quand même, là on a une animation détecteur garantie, hein. je vous assure que c'est vraiment le cas. Et attendez, qui est-ce qu'on va faire? Non, attends, c'est qui? Oh là là, mais attendez, cette première vidéo invocation, oh là là, mais comment bien commencer l'année, mesdames et messieurs, première single sur le portail, et on fait tomber le Nail Agilité, mais ça me va, mais c'est trop bien. Oh là là, mais c'est incroyable là ce qui vient de se passer, première single, on te fait tomber le Nail. Allez, bah on est parti, on commence avec la multi-invocation, juste let's go en fait, hein, y a pas de transition ou quoi que ce soit. Oh là là, mais c'est tellement beau là ce qui vient d'arriver, on commence, on a directement un truc de ouf. Bon là on n'a pas de combinaison SSR garantie, mais on s'en fiche, parce que là, même si je fais une multi de merde, je me dis que j'ai réussi à dropper le Nail, et franchement, faire tomber le Nail ça me fait plaisir, parce que le Nail il est aussi très 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 fort. Il me manque plus que le Piccolo, j'ai un total de 400 DS et quelques, je sais pas jusqu'à combien je vais tomber, oh il est dégueulasse. Alors lui mec, mais il est tellement nul à chier quoi, ok on va faire tomber une pelletée de Piccolo, je veux vraiment vraiment là, on va en avoir je sais pas combien, des Piccolo, Vegeta dégueulasse, encore un Piccolo, encore un Vegeta, encore un Piccolo, encore un autre Piccolo, ouais mais ça serait bien avec tous les Piccolo que je fais tomber, si je fais tomber le vrai Piccolo, tu vois, le SSR endurance et tout, ça serait trop le feu, parce que là on va pas se le cacher, mais cette multi-invocation elle était totalement dégueulasse. Par contre la première single, je suis choqué hein, quand même. C'est très rare parce que vous le savez, en début de vidéo j'aime bien faire d'abord une single avant une multi pour justement chauffer un petit peu le portail, mais là je m'attendais tellement pas à faire tomber
un nouveau personnage en plus. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau des animations? Est-ce que je peux avoir de la chance au niveau des animations? Parce que depuis qu'il y a eu le rework avec l'ajout des nouveaux trucs, j'ai jamais eu Whis, j'ai jamais eu Beerus, j'ai jamais eu Xeno, j'ai jamais eu les SSJ 3 des 3 ans et les SSJ 4 des 4 ans, même si ça existe pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir de nouvelles combinaisons, ça me ferait plaisir là, parce qu'à chaque fois j'ai plein de personnages, mais ils ont aucun rapport en commun, et je pense que cette multi elle est pas prête d'être très très incroyable. De Doria, après ça veut rien dire, c'est dans le désespoir que naît l'espoir. Kame Sennin, ensuite on a... Oh là 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 là, non mais mec, ça y est, là l'autodrop il commence à se réguler, il m'a dit mec, la première single, t'emballe pas, les multis qui vont suivre, elles vont pas être incroyables. Attendez, c'est qui? Oh non! Mais je croyais que c'était Vegeta multiforme, c'est un vieux Vegeta, Blue. Mais non, mais j'en veux pas de lui, j'en veux pas. Oh non, mais j'ai tellement le seum. Bon, on est sur un taux de drop plus élevé que la moyenne, vu qu'on arrive à choper 2 SSR par multi-invocation. Mais bon, en vrai de vrai, ce que je vous avais dit, c'est que si on arrive rapidement à choper le Piccolo, j'aimerais bien aussi terminer ce step-up, parce qu'il y a 150 DS à mettre pour avoir un LR garanti. Franchement, si Piccolo t'arrive à tomber sur cette session d'invocation là, moi ça m'arrangerait de ouf. Est-ce qu'on peut pas avoir une faille avec Blagoku Rosé? Non, on a qui? Ok, on a Whis. On a Whis. Est-ce que ça peut remonter le temps? Je sais que Beerus et Whis, ça garantit l'animation qui remonte dans le temps, mais Whis tout seul, ça garantit pas du tout. Le Kamehameha, il était pas long, il va avoir un bye-bye légal, j'imagine. Oui, peut-être un deuxième pour avoir un Dokkan Fest de garantie? Non, pas besoin. Non mais c'est pas grave hein, le jeu, tu m'as chauffé, tu m'as enjaillé avec la première single sur le portail élu, j'ai déjà 100%, il va avoir un ZTUR, il va être très très bon, mais il m'intéresse pas du tout, et on a une Chiaque ou que celle-là encore ça va. J'ai pas encore tous ces doublons à elle, donc franchement chichi c'est ok. On est sur une multi avec 3 SSR, sauf que depuis les 3 multis qu'on a faites, on a chopé qu'un seul détecteur, et c'était en single, sinon les 3 autres multis elles étaient pas ouf de ouf. Peut-être que là ça va se rattraper, ne sait-on jamais. Attention, ah dommage, dommage, dommage. Je l'ai déjà passé 100% le Paragus Intelligence, et c'est un très très bon personnage pour la catégorie Saiyan pur. Enfin bon, on va continuer notre session d'invocation. J'aimerais bien faire encore 2-3 multis maximum. Après, je pense que ça serait légèrement de l'excès d'investir autant de DS sur ce portail, même si en vrai le Piccolo, j'aimerais tellement l'avoir. Mais ma team Maraboutage, en plus, elle est présente. Genre, il y a tout qui me garantirait d'avoir une fusion ou un Dokkan Fest. Genre là, sur cette multi, je le colle, on a un Dokkan Fest. C'est bon. Attention, niveau de l'animation, qu'est-ce qui va tomber? Non, mais il y a deux petits nains avec un chat, mais mec, et en plus ça se transforme même pas. Mais non, mais gros. Oh non, mais là c'est abusé là. Mais qu'est-ce que c'est que cette multi catastrophique? On n'a pas eu un seul Dokkan Fest depuis tout à l'heure. Bye bye les gars, mais enchaîne sur un truc bien. Mais non, mais t'es mal à tête de Riku. Mais tout le monde s'en fout, il est ultra moche. On dirait qu'il a un palmier sur la tête lui. Et Piccolo, j'ai droppé un milliard de fois. Mais moi je veux le vrai Piccolo. La version SSR Endurance où il a sa cape, qu'il est comme ça, avec un flow démentiel. Biru, je l'ai eu dans l'animation, c'est pas pour l'avoir dans la carte en version SR. Neizu, je m'en bats totalement les steaks. Ce Gohan, je m'en bats totalement les steaks aussi, s'il te plaît. Une multi un petit peu qualitative. Genre vraiment, il y en a quand même des SSR sur le détecteur que j'ai pas à 100%, donc s'il te plaît, le jeu, pourquoi tu me fais ça? Mais non, mais c'est tellement nul là les multis qu'on est en train de se faire. Allez, encore 2 multis. Et ensuite, je vois ce que je fais. Je vois. Attendez, peut-être que si je lance une single, est-ce que ça régulerait pas les taux drop comme ça a été le cas pour la première single lors de cette vidéo? Ok, Goku Piccolo, est-ce que ça veut pas dire que je vais dropper le Piccolo justement? Vous imaginez une animation avec Goku Piccolo et je fais vraiment tomber le Piccolo? Et ouais, bon, j'ai fait tomber un Piccolo, mais bon, c'est pas le bon. J'aurais dû peut-être spécifier la rareté et le type. Bon, on est potentiellement sur l'avant-dernière multi de cette vidéo invocation. Donnez-moi de la luck s'il vous plaît pour ceux qui ont droppé et même ceux qui n'ont pas droppé. Si on peut se donner un petit peu de chance ensemble, ça pourrait être cool. Allez, dis-moi qu'on a une animation détecteur là. Mais non, 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 mais non. Bon, allez, relâche Rainbow. SSJ 3, peut-être un SSJ God. Non, pas de SSJ God. De toute façon, on s'en fiche du SSJ God, on n'en a absolument pas besoin. On commence avec un Zarbon totalement éclaté. On suit avec la Kaioshin SR Endurance du temps totalement éclaté aussi. Un Guldo totalement éclaté. Un Shen totalement éclaté. Non, mais c'est bon, là, j'ai envie de skip la multi tellement c'est catastrophique. Oh, mais ils m'ont tellement hypé sur la première single. Et après, toutes les multi, elles ont été tellement dégueulasses. Genre, dites-vous que là, j'ai pas eu un seul Dokkan Fest. Genre, mec, c'est quoi ces multis que je me tape en fait? Genre, ok, lui il est bien si tu veux en hors détecteur, mais ils sont où les Dokkan Fest sur le portail? Mec, le jeu il est en train de me chier dessus. Genre, c'est impressionnant. Genre, là vraiment, c'est la dernière multi-invocation de cette vidéo. Si je chope rien, tant pis. Je réinvoquerai certainement peut-être ce soir avec vous en live à 21h tapante comme d'habitude. Et ensuite, s'en suivra un stream sur Twitch. Et là, c'est la dernière vidéo. Genre, vraiment, c'est la dernière multi-invocation. Qu'est-ce que dernière vidéo? Est-ce que je peux avoir une animation? Oh là 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 là. Satan qui est tombé debout. On a eu zéro animation détecteur. Mais mec,
J'aurais dû m'arrêter sur la première single en fait si j'avais su. Ou j'aurais dû faire full single peut-être. Attendez, SSJ3. Bon, SSJ3 ça veut absolument rien dire. En termes d'animation, ça me garantit rien du tout. Mais bon, c'est dans le désespoir que naît l'espoir. S'il te plaît, le jeu. Quatrième carte. Mais. Ah, ben enfin! Nice, ok, c'est bon, c'est bien. On a chopé un personnage du portail. Goku SSJ4 Full Power. Ça me va, ça sera mon deuxième doublon sur le personnage. C'est ok. Franchement, je me suis dit, c'est bon, de toutes les multi-invocations, si j'arrive à rien dropper. Ça aurait été grave quand même, mais putain, c'est un signe ça quand même. Goku SSJ4, Super Baby 2, c'est peut-être pas des... Ouh, 3 SSR d'affilée, donc là on est sur une multi à 4 SSR au grand minimum. Est-ce que le 4ème SSR, ça serait pas un Dokkan Fest, en plus du Dokkan Fest qu'on a droppé récemment? Franchement mec, tu me fais tomber Piccolo maintenant, je te pardonne toutes les multis qu'on a faites auparavant et qui étaient dégueulasses. Et non, pas du tout. Eh bien mesdames et messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite session d'invocation, enfin cette petite session d'invocation. Ça a très très bien commencé, vers le milieu c'était totalement nul à chier, et ça s'est un petit peu rattrapé sur la fin. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de faire tomber le fameux Piccolo, mais c'est pas grave, on retentera ce soir notre chance en stream. Vous, de votre côté, j'espère que vous avez eu de la chance, et moi comme d'hab, je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.